Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conçue spécialement pour affiner vos cuisses. J'espère que vous êtes prêtes, ça risque de chauffer un petit peu. Allez, c'est parti! Donc on va commencer l'échauffement, on va écarter les pieds plus larges que la largeur des hanches. On va monter les bras en l'air en inspirant et on expire, on redescend les bras. On inspire, on relève. On expire, on redescend. On inspire, on relève. Et on expire, on redescend. On va faire des mini squats. Donc on va descendre, monter. Voilà, pour bien échauffer les genoux. Soufflez bien en descendant. Inspirez en remontant. Encore 5. 2. 1. Ok, on va faire des step out. Donc vous allez marcher un côté à droite, un côté à gauche en ramenant le talon un tout petit peu vers la cuisse, hein, pas complètement. On ne fait pas des talons de fesses. C'est juste voilà, pour réchauffer un petit peu les fessiers. On active les cuisses. Ok, on va continuer en faisant des cercles avec ses bras. On va activer un petit peu les épaules. Si vous n'arrivez pas, comme moi, avec la coordination, vous pouvez ramener les pieds sous les hanches. Et on vient faire des cercles. De plus en plus grand. Ok, en sens inverse. On part du plus grand pour terminer dans le plus petit. Ok, on est bien échauffé, on roule un petit peu les épaules en arrière. Ok, parfait. Allez, on va pouvoir commencer. Donc on va repartir sur des petits step-out, ok? Avant d'attaquer les talons-fesses. On en fait juste quelques-uns. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, talons-fesses. On est à 10. On est à 30. C'est bien. Donc vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu dans les fessiers. Ok, il nous en reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Parfait. Donc ici, on va travailler d'une manière un petit peu différente. On va travailler en équilibre. Donc vous avez deux options. On va ramener la plante du pied droit, soit au niveau du mollet, soit pour un petit peu plus de difficulté au niveau du genou. Voilà, et on va tenir un équilibre ici en levant les bras en V.
Soulevez bien le ventre, contractez les abdos. C'est ça qui va aussi vous maintenir en équilibre. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, on repose la jambe, on fait la même chose de l'autre côté, donc le pied soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou, et on tient. C'est un peu plus facile, on appuie sur la jambe droite, ça dépend de quelle jambe est la plus forte chez vous. Gainez les abdos. Et c'est reparti.
3, 2, 1, et on relâche. Super. Alors à nouveau, on va travailler en instabilité. Vous allez garder la jambe gauche en appui sur le sol. On va lever la jambe droite, on va fléchir légèrement le genou. Et on met les mains sur les hanches et on va venir faire des mouvements de va-et-vient sur le côté gauche avec son pied. Super. Donc là, c'est bien, l'instabilité, ça permet de travailler les muscles profonds, d'assécher la jambe pour la rendre la plus fine possible. La jambe gauche levée, légèrement fléchie, et on vient faire la même chose, coup de pied vers le côté droit. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bravo. On va terminer par des squats sumo. Donc, on écarte bien les jambes ici. On tourne les pieds vers l'extérieur. On joint les deux mains. On prend une grande inspiration. On pousse les fessiers en arrière et on descend. Toujours pareil, on souffle en descendant, on inspire en remontant. Les pieds plus larges que la largeur des hanches. On inspire, on lève les bras, on expire, on se penche sur le côté. On inspire, on relève le bras, on expire, on se penche sur le côté. On le fait encore une fois de chaque côté, on inspire et on expire. Une dernière fois. Ok, là on va venir mettre les mains sur les hanches, baisser un petit peu le buste, je vous mets de profil pour que vous voyez bien. On se met ici, et là on va venir basculer un coup à droite et un coup à gauche pour bien détendre les hanches. Je vous mets face à vous. On va venir écarter les pieds. Ouvrir l'intérieur des cuisses ici et pousser avec ses avant-bras les cuisses vers l'extérieur. Vous devez sentir que ça tire, c'est normal. Voilà, super. On va venir se pencher. On va essayer d'attraper ses orteils. Okay. Est-ce que vous sentez que ça s'étire là tout à l'arrière de la jambe? Notamment derrière le genou.
repart de l'autre côté. On fait quelques petits tours de bassin. On part en arrière. L'autre côté, vers l'avant. Ok, super, bravo. Bravo, je vous félicite d'avoir réussi cette séance. Pour que les résultats soient visibles et efficaces, je vous invite à la faire entre 2 et 3 fois par semaine, couplée à d'autres exercices, bien sûr, pour cibler d'autres zones de votre corps. Mais surtout, un conseil, mangez équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, et c'est vraiment ça qui fera la différence. Voilà, j'étais ravie de faire cet entraînement avec vous, j'espère qu'il vous a plu, et à très vite pour de nouvelles vidéos.